Hello, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, on profite de ce dernier jour de liberté avant d'être assigné à résidence avec le bracelet électronique, pratiquement, hein, pendant un mois. Et donc, on va aller faire un petit tour à Land Ressourcerie, voir s'il n'y a pas quelques petits vinyles, ben, pour se les bichonner, se les nettoyer, les écouter ad vitam aeternam pendant ces 4 semaines. On est à Air-sur-Adour et on voit les Pyrénées là-bas, il neige. Waouh! Ah, superbe. Allez, Super bien! à tout de suite. Tu prends? Oui? Bah oui, vu que le disque il est comme neuf dedans. Tu fais une vidéo? Hello, retour de la ressourcerie des Landes. Malheureusement, sur le chemin de retour à l'autoradio, j'ai appris massacre qui s'est passé à Nice. Quel drôle de monde. Bref, revenons à la musique. Ça va vraiment nous faire le plus grand bien. Alors, à la ressourcerie, ben, quelques petites choses sympathiques. Hein, donc 1 euro pièce, quel que soit le disque, quel que soit l'état. Et donc l'état, je vérifie avant quand même, VG plus minimum. Et donc simple ou double album, 1 euro. Alors on commence par un groupe chilien. Quilapayán, groupe chilien qui, lors de l'arrivée de Pinochet au pouvoir, le général Pinochet, en 1972, avait demandé l'asile politique. Et ils ont souvent joué en France. Voilà, c'est très très bien. Donc, je mettrai peut-être des extraits un jour ou l'autre. Alors celui-là, je suis très content. Derek and the Dominoes, Leila. Avec Eric Clapton, c'était sorti en 70. Et la participation d'un des frères des Allman Brothers, Duan Allman. Ça, c'est vraiment très très bien. Le disque est en bon état, vraiment super. Ouais, c'est à l'envers. Créole and the Coconuts, bon, c'est pas non plus ma tasse de thé, mais bon, pour 1 euro, bon état, on sait jamais, si jamais j'en peux plus, je veux un peu de soleil, pendant ce confinement, je me mettrai avec Kid Créole. Alors là, celui-là, c'était au fond, 2 albums originaux des Faces, comme on faisait à l'époque, donc c'était un repressage des années 74-75, avec 2 albums, The First Step, de 70 et Long Player de 71. Voilà les pochettes d'origine, donc les 2 disques dedans. Ça, c'est un bon truc. Bon, je me suis repris une 4e ou 5e version des 4 saisons de Vivaldi. Je suis fou. Donc là, c'est une version un peu plus ancienne sortie chez RCA. Et c'était avec Claudio Simone, un des maîtres. Et ça doit être une très bonne version, celle-ci. Bon, la musique du film Barry Lyndon. Alors ça, j'ai vu ça. Bon, je suis pas le grand fan, mais bon. The Price, Good Price, Cheap Price, les Communards. Rock album de 85. Avec Jimmy Somerville, vous connaissez. Et Richard Coles. Et donc là, l'album Red, sorti lui en 87, et ça valait à l'époque 71 francs. Bon, les standards du rock, avec les racines, Roots, Eddie Cochran, Summertime Blues, Come On Everybody, Pretty Girl, Jenny, Jenny, Jenny. Oh, c'est les standards, voilà, c'est les bases. Avec le blues. Voilà. Et The Knack, l'album, le premier album, ils avaient fait carrément un carton. Et là, c'est leur deuxième album, sorti en 80. Baby Talks Dirty, but the little girls understand.
Ah, ça, j'ai pas hésité là. Yeah, Aerosmith. Leur premier album sorti en 73. Bon, après, je pense pas que ça soit l'album d'origine. C'est un remaster, un réissu de fin 70, début 80. Bon, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder, mais le disque est en très bon état. Avec Walking the Dog. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? One Way Street. Moving Out. Dream On. Dream On. Très bon. Là, Al Stewart. The Early Years. Bon, la pochette est esquintée, mais le disque est en bon état. Donc, c'est les premiers enregistrements de Al Stewart, surtout concernant l'année, les années, je crois que le premier morceau, ça date de 67, 67, 68, 69, 70. Donc c'est tiré des albums Bedsitter Image, Love Chronicles, Zero, She Flies. Voilà, c'est son tout premier album de Al Stewart. Là, bon, j'ai vu ça, un petit peu de jazz, Greatest Hits, Paul Desmond. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, original même, c'est qu'en fait, bon, je sors pas pour pas m'abîmer, pour pas abîmer le disque, parce que j'ai les mains pas très propres. Là, c'est le master. Unverkauflich Musterplatte, avec le numéro à la main. Voilà. Il n'y a plus qu'à écouter, nettoyer, écouter. Là aussi un autre disque de jazz, Steps Ahead, Modern Times, avec Michael Brecker, Peter Askin, Eddie Gomez. Voilà les grands du blues dans les années 80-90. Oh, bon, ça me rappelle un petit peu les années 80, ça. Kevin Roland, Dixie Midnight Runners, To Rye Hay. Donc ça, c'était les années 80, avec le morceau qui était un hit, Common, Aileen. C'est connu, ça. Avec les bons violons, là. Très celtique, l'ambiance. Et on finira avec, participe présent, François Béranger. Putain, il est plus que d'actualité, le François Béranger, en ces temps bizarres qu'on vit. Voilà, les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons, bon confinement, régalez-vous avec la musique, prenez soin des autres. Bye bye, ciao, et peut-être un de ces jours.